on ne parle fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Toujours entouré par ma famille. On reste pauvre, c'est même un pays. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas sans moi. Tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là pour les one-man. Un peu de but pour tous les jackman. Et on a fort au lien, on est des drummers. Alité, ma bouillante. Je suis le seigneur du micro. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé, mais pas en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. J'en veux un truc de l'ancien pour éveiller. Mafia City, Mafia City. Que si on est. Tout samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu, yeah. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille. Y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui font la bande de deux, yeah. Certains préfèrent marcher en trio, et d'autres sont tous sérieux. Si tu es moodman, on t'appelle. Si tu dois l'esprit, on t'appelle Babylone. Alitrema, Bouyaka, Bogaga Music, Mad Dog a fait le son. Tout samedi soir dans ma ville, on sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des blocs, y'en a qui fument la taille. Y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux. Certains pour faire marcher en trio, et d'autres sont tous liés. Si tu es un woodman, on t'applique. Si tu dors l'esprit, on t'appelle Babylone. Que tu sais te jure, ce n'est pas les lords. Le respect est mort depuis longtemps. Que tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, yeah, yeah, yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé, même en Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas sans moi. Tu m'as donné du talent, oui. Dans ma vie, quand ça ne va plus, le rockman est là, Pico. Call me God dans ce microphone. Demande à mes négros, ils te le diront. Toujours entouré par la famille. On reste posé, même en famille. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. Dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des clopes, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la beuh. Y'en a qui traînent en bande de deux, yeah. Certains pour faire marcher en trio, et d'autres sont tous sérieux. Si tu es moodman, on t'applique. Si tu dois l'esprit, on t'appelle Babylone. Alitrema. Bonsoir tout le monde. Ils ont décidé de me museler. Ils ont décidé de me museler. Alors, ils bloquent mon compte en journée. Je reste tranquille. J'attends l'heure du direct. Je vais lancer le direct. Bloquez mes comptes comme vous voulez.
Mais quand l'heure du jurette arrive, je vais lancer le jurette. Je dis, je répète, mon ami, bloquez mes comptes comme vous voulez. Mais quand l'heure du jurette arrive, je lance. C'est pour vous dire que je suis préparé. J'ai réussi à sortir l'intrus. Il reste encore trois. Trois. Je vais régler les comptes. Trois. Je vais régler les comptes. Quand l'heure du direct arrive, je vais lancer. Ne vous gênez pas, les gars. En journée, vous allez bloquer mon compte. Vous bloquez tout. Mais quand l'heure du direct arrive là, je lance le direct. On va voir qui va gagner. Parce que quand je dis que c'est eux qui bloquent mon compte, on dit non, on m'appelle même. Vous me dites que vraiment le Dieu, il faut. Je vous ai dit depuis, moi, je ne suis pas André-Marie Mbida. Qu'on était parti voir. Moi, je ne suis pas André-Marie Mbida. Quand on était parti voir, on lui dit, non, voilà, excellent, monsieur le Premier ministre, vous allez avoir 5 députés qui vont vous trahir. Faites quelque chose, il dit que non. Nous allons gagner. Sans aller voir les 5 députés qu'on lui a dit. Mon frère, ça va faire mal. Je suis là. J'apprends qu'ils sont trop forts. Il vous reste une seule chose. C'est vous pendre. Il vous reste une seule chose. C'est vous pendre. Et vous allez vous suicider. C'est hier que j'ai appris que mon grand frère a remis les factures à notre frère Laurent Bayne. Et apparemment, notre frère Laurent Bayne a fait le direct où il disait qu'il avait les factures pro forma. Moi, je ne sais pas. Mes chers amis, vous savez, la vie n'est pas compliquée. Hein? C'est quand tu veux compliquer la vie qu'elle te complique jusqu'à la vie quand tu veux la compliquer. Ça c'est à l'attention de mon frère Bayne. Mon frère Bayne retient ceci. La facture pro forma est un document non comptable. Je répète. La facture pro forma est un document non comptable. Je ne sais pas comment tu veux que je parle. Donc tu vois que j'ai fait 1 an, 4 mois avec un manipulateur. Donc il faut avoir une autre intelligence pour comprendre que tu as un fin manipulateur à côté de toi. Mon frère Laurent Bayne. Mon frère Laurent Bayne, il faut comprendre que tu as affaire à un manipulateur. Il sait qu'il te ment. Mais il te jette en pâture. Comme tu humilies, on se moque de toi. Il te donne les factures pro forma. Une facture pro forma est un document non comptable. Donc, qui n'est pas inclus à la comptabilité d'une entreprise, d'une société, d'une association. Et à mon frère Bayene, tu comprends ce qu'il a voulu me faire. Il est venu te le faire. Il est prêt à tout, à
détruit la communauté. Il est acheté, mon frère bien-aimé. S'il te fait ça, devant tout le monde, tu imagines, il te donne une facture pro forma, il te dit que c'est une facture authentique. Je te répète, une facture pro forma est un document non comptable. En français, très facile. Si mon frère Laurent Bain veut acheter un pouce-pouce à sa grande soeur ou bien à sa grand-mère ou bien à son grand cousin au village pour aller se voir au champ, Laurent, mon frère Laurent Bain va envoyer son petit frère, va me prendre 5 factures pro forma de pouce-pouce. Il part, son frère part voir Massagent. Massagent lui donne la facture pour moi de son pouce que lui vend à 700 000. Il part voir Massapierre. Massapierre lui donne la facture de son pouce pour moi que lui vend à 800 000. Il part voir Atangana qui vend son pouce-pouce à 900 000. Il part voir Lobé. Il vend son pouce-pouce à 1 million. Il revient avec les 5 factures qu'on appelle facture pro forma. Il donne à mon frère Béné. Mon frère Béné prend les 5 factures, il pose sur la table. On appelle ça évaluation, une facture d'évaluation qui te permet de faire un choix. Papa, il sait qu'il est en train de te tromper. Papa, il te donne que va lire. Et à peu près, il est dangereux. Il peut te tuer. Je tiens que j'ai été fort. Vivre avec ce mec 1 an, 4 mois. Mon frère béni, je suis fort. Pardon. Toi, reste avec lui. Les Ewondo tise Mouranumban Ouyanoyap. Mouranumban Ouyanoyap. Toi reste avec mon frère là. Il va t'enterrer. Mon frère Bien. J'ai dit il va t'enterrer vivant. Non, Gaël, je ne suis pas en colère. Moi, je ne veux pas humilier mon grand frère. Ce n'est pas mon but. Je veux juste faire comprendre à mon grand frère qu'il arrête. Il se ridiculise. Ça me fait mal parce que c'est mon frère. Il continue à se ridiculiser. Ça me fait mal. Qu'il arrête de se ridiculiser. Il se ridiculise. Ouais. Ouais. Mon frère, arrête. Ouais. C'est quoi, non? Arrête. Nous, on a compris. Nous, on n'est plus là. C'est inadmissible. Tu donnes à Ben la facture profondément. Tu sais que ce n'est pas ça. Je vais vous expliquer. Il est allé à l'hôtel Hilton. Je vais tout dire. Comme il veut qu'on l'humilie, je vais tout dire. Il est allé à l'hôtel Hilton. Il dit, je vais passer 2 semaines ici. Donne-moi une facture pro forma. On met le prix de la chambre pour 2 semaines.
On met la nourriture matin, midi, soir, 2 semaines. On met la location de la salle de conférence dedans. On tire, on lui donne. C'est marqué facture proforma. C'est un document non comptable. C'est quand il ira à l'hôtel, il donne, qu'il paye, on lui sort l'original de la facture. Ouais. Il prend ça, il donne à Béné. Et mon frère Béné, il est dangereux. Je te dis, il est dangereux. Très dangereux. Mon frère Béné, tous mes comptes ont été... Ils ont bloqué mon frère Béné. Tous mes comptes Facebook sont bloqués. J'ouvre un compte Facebook. Il bloque mon frère Béné. J'ouvre, il bloque. J'ouvre, il bloque. Si vous l'aimez trop, dites à mon grand frère de se calmer. Qu'il reste tranquille. Dites qu'il se calme, qu'il reste tranquille. Nous ne pouvons pas le tuer à cause de l'argent. On préfère le voir en vie. Dites-le lui. Nous, on préfère le voir en vie. Ouais. Oh, je ne sais pas. On préfère voir notre grand frère en vie. Il n'est pas que mauvais. Ouais. Je dis que tu n'es pas mauvais. Tu as aussi du bon sur toi. Arrête. C'est quoi ça, non? Oh, mon frère, arrête. Arrête. Ne dis plus aux gens. Ne dis plus aux gens ce que tu dis là. Pardon, ne dis plus. Laisse. N'explique plus rien aux gens. Parce qu'on m'appelle, ça me fait mal. Je dis, ouais. Arrête, mon frère, pardon, arrête. Ne dis plus aux gens, laisse. On veut te voir en vie. Mon frère, nous, on ne va pas te tuer. Ouais. Mon frère, pardon, mon frère, laisse. Ça va. Laisse. On ne va pas te tuer. Laisse. Tu ne fais que t'enfoncer. Tu racontes ici, tu racontes ici, tu racontes ici. Ouais, grand frère, laisse. On ne va pas te tuer. Laisse. Mon frère, laisse. Parce que si moi je laisse, tous ceux qui sont dans la plateforme vont laisser. Grand frère, laisse. Pardon. C'est une honte pour nous. Laisse. Pardon. Parce que à chaque fois que tu expliques, tu dis aux gens, grand frère, on revient encore m'appeler. Ouais, pardon, laisse. Pardon, laisse. On ne va rien faire. Laisse. Ouais. On ne va pas te tuer, grand. On ne va pas te tuer. Pardon, moi, je te supplie.
que tu fais qu'expliquer aux gens, on m'appelle mon frère, je reste, puis on fait que m'appeler, on fait que m'appeler. Je t'ai dit, finalement, il faut que j'explique au moins à 10 personnes, 20 personnes. Ouais, il vient, il m'appelle, il est convaincu que tu lui dis la vérité. Quand je viens, j'explique, il dit que c'est pas possible. Ouais, arrête. Pardon, arrête. C'est pas bien. On est entre nous. Tu crois qu'on peut te tuer? On ne peut pas te tuer. On sait que tu as été trompé. Il y a encore 3 personnes. Je répète, il y a encore 3. Pardon. Vous me battez. Parce que je suis obligé de parler comme ça. Je suis obligé de parler comme ça. Partez. Partez parce que je ne veux pas appeler vos noms. 3, partez. Pardon, partez. Pardon, partez. Je dis, vous êtes 3. Partez. Sinon, ça va encore arriver comme pour le grand frère. Pardon, je vous dis partez. Je dis ceci. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas d'où je viens. Vous ne savez pas d'où je viens. Ça va aboutir. Le peuple Ekang sera libéré. Je dis, le peuple Ekang sera libéré. Parce que vous n'allez jamais vous en sortir. Tant que je ne libère pas le peuple va, il sera libéré. C'est de ça qu'il est question. Je répète, le peuple Ekang sera libéré. Je dis, le peuple Ekang sera libéré. Je dis les 3, je dis bien, centre, sud, l'est et littoral. On va libérer le peuple Ekang. Je vous dis, je ne suis pas venu m'amuser. Vous vous gênez pour rien. Sopo Priso est mort. On a collé la tête des enfants. On va libérer le peuple Ekang. Vous allez voir. Gars, je suis préparé. Clair et net. 25 ans, ce n'est pas 3 jours. 25 ans d'études de force endogène et exogène. Mon ami, on va libérer le peuple Ekang. On connaît toutes les méthodes. Il n'y a aucune méthode qui nous échappe. Aucune. Donc, ceux qui sont et quand
et qu'ils pensent qu'on va vouloir venir leur donner de l'argent pour venir chez moi là, pour venir côtoyer Abdelkarim Boussatencho là, pour pouvoir faire machin derrière. Hey, papa, tu viens, je sais que tu vas venir. Donc, vous trois la quitter. J'ai dit quitter. Pour le moment, on est encore calme. Mais je vous dis quitter. Ces gens, je ne sais pas. Vous pensez qu'on joue? Vous croyez qu'on joue? On commence sur Facebook, ça finit sur le terrain. Ça commence sur Facebook, ça finit sur le terrain. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez un peuple. Ils ont tout. Ce peuple a tout. Ils ont le port. Ils ont la forêt. Ils ont tout. Mais ils sont pauvres. Mais c'est quoi ça? Ils seront libérés. On va les libérer. Vous allez voir. Je vous dis, ils seront, on va libérer le peuple des camps. Vous allez voir. Matignon, je vais te dire quelque chose. J'ai dit qu'ils sont trois. Hein. Matignon, ils savent que ce que je suis en train de dire là, c'est la vérité. Je veux qu'ils quittent. Moi, j'ai l'impression que ça, vous ne blaguez pas. Hein. Personne ne doit plus me demander mon numéro de téléphone. Je dis bien personne. Moi, je me sers du passé pour comprendre mes problèmes. J'apporte des solutions. Même personne. Parce que tu donnes ton numéro de téléphone aux gens, on prend ton numéro de téléphone, on le donne à 100 personnes. Les 100 personnes, dès que tu lances un direct, ils signalent sur Facebook. Je dis, je répète, je suis en mondovision. Qu'un écran ne se gêne pas pour dire qu'il va venir vouloir faire le malin. Et papa, tu viens, je sais que tu vas venir. Et je vais te mettre, et ne venez plus. Non, mon numéro de téléphone devient très important. On ne doit plus l'avoir. J'ai compris que c'est à partir de mon numéro de téléphone qu'on me muselle. Résultat de course, je dois l'avoir seul, avec ma femme. Deux, trois. Il faut tirer les conséquences du combat que tu mènes. C'est ça qui est la question.
C'est pas ça. Quand un étang va venir, il va être ton ami. Il va être avec toi 6 mois. C'est bien serviable. Correctement. Clair. Dès qu'il a ce qu'il veut, il tourne la face. C'est de ça qu'il est question, les gars. Parce que quand je parle ici, les gens ne comprennent pas ce que ça est en train de se passer. Tawamba est sorti l'autre jour. Il écrit une lettre au président de la République de virer le directeur des impôts. Vous avez lu ce que le FMI a écrit le 24 janvier. Vous avez lu. Tawamba a écrit la lettre quand? Mes amis, je vous dis, quand vous comprenez le système, vous avez vu ce que le FMI a écrit le 24. C'est ça qui te permet de comprendre. Dès que tu vois la lettre du FMI du 24, ça commence toujours comme ça. Je vous dis, si je dis bien, ne demandez plus mon numéro de téléphone. Parce que tu vas penser que tu es avec ton frère. Tu es avec ta soeur. Toi, tu as le bon cœur. Tu as ton bon cœur. Tu donnes le numéro d'Abdel. Garde, elle ne donne pas. Elle aura aussi son meilleur ami. Elle va donner, garde, hein. Ne donne pas à quelqu'un. Elle aura son meilleur ami. Garde, hein. Ne donne pas à quelqu'un. Elle aura son meilleur ami. Garde, ne donne pas. Ça fait combien de personnes? Résultat de course, ça tombe entre les mains des talibans. Ils vont bloquer mon compte. C'est ça qui est la question, les gars. C'est ça qui est la question. Et il faut le comprendre aussi simplement, sans compliquer. Parce que Facebook a les règles. Il fonctionne avec deux choses. Quand tu vas mettre, soit tu mets ton numéro de téléphone, soit tu mets ton adresse courriel. Tu mets ton numéro de téléphone, il trace l'adresse IP de ton téléphone. Tu mets ton courriel, il trace ton courriel. Quand il bloque, tu peux utiliser les deux éléments. Et il y a un nombre maximal de personnes qui doivent signaler en même temps un compte. On bloque. C'est pas que je ne veux pas donner mon numéro de téléphone, mais c'est le combat qui m'oblige à ne plus donner. Je ne donne pas parce que je veux me vanter. Non. C'est les conditions du combat qui font qu'il faut changer de stratégie. C'est ça qui est la question. Regardez à quelle vitesse les gars bloquent mes comptes. Il y a une armée qui est là. Il faut faire taire le gars du Canada là. Il sait trop. Papa, il y a une mission.
Ça ressemble à la mission à la mission messianique. On n'a pas le choix. Donc, résultat de course, quand on voit tout ce qu'on a pris le scénario, on a mis le scénario sur la table. On a décortiqué. Je dis, quand vous mettez le. Vous commencez à mettre le scénario, je dis que vous savez vous-même les éléments. Vous tirez la conclusion. Allez lire ce que le FMI écrit. En passant, pour ne pas polémiquer. Ça, c'est le nouveau logo. C'est le nouveau logo de CCCL. C'est le nouveau logo. Et ce logo est déjà protégé. Ce logo a été protégé. Institut national de la propriété industrielle en France. Ça, c'est le reçu de paiement. Le logo a été conçu par Pascal Ngobiena pour le protéger. Ça a coûté 138 euros. Et voici la procuration donnée par Pascal Ngobiena que je lis devant vous. Attestation sur l'honneur de cession des droits. Je sous-signe M. Etundi Lingom Pierre Pascal. Autorise l'association nommée CCL, Conscience Camerounaise, pour le libéralisme communautaire a exploité à titre gracieux le logo que voici au format papier et au format numérique dans le cadre des activités de sa dite association à laquelle j'appartiens. De ce fait, je renonce à percevoir tout droit d'auteur sur le logo. Fait à l'article près Bordeaux, le 28 janvier 2020, signature. C'est comme ça, quand on dit qu'on veut faire quelque chose, qu'on n'a pas de calcul derrière la tête, parce que ce que vous ne connaissez pas, les chers amis,
Vous vous rappelez la dernière fois, quand on choisissait le logo de conscience camerounaise pour le libéralisme participatif, non? Vous savez pourquoi ça faisait la guerre? Ça faisait la guerre parce que les gens se discutaient les droits d'auteur. Mais ils ne vous disaient pas. C'est pour ça que les gens se faisaient la guerre. Voilà. C'est ça qu'on dit. Quand on veut servir la communauté, on sait ce qu'on doit faire. On sait ce qu'on doit faire. Il n'y a pas de calcul derrière le dos. Je vais les piéger ici. Je vais les piéger ici. En tout cas, ceux qui vont venir penser qu'ils vont nous piéger, Anti, tu vas toujours venir voir qu'on a traversé ton piège. Quand on est vrai, on pose les actes vrais. On pose les actes qui rassurent. En passant, non, je ne veux pas dire ça en direct, je veux dire ça aux gens un peu comme ça. C'est quand même terrible, hein? Franchement. C'est quand même terrible, franchement. Nous, on sait qu'on va gagner. Je sais qu'on va gagner. On a déjà gagné. Ne perdez pas de vue, hein. Parce que si vous perdez ça de vue, vous n'êtes pas en train de voir ce qui se passe, hein. Ça fait 1 an, 4 mois que je crie ici. Ils s'asseyent derrière, ils prennent les mains, ils mettent à la joue comme ça. Personne ne fait un direct pour venir contredire. Ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Mais quel est ce monsieur qui fait un direct, qui fait le direct pendant 1 an, 4 mois? Personne ne sort pour dire que mais il manque. Vous devez vous poser la question, mais attendez. Chers amis, j'ai fait les directs, ça fait 300, j'ai fait 365 directs. Ça dépasse même. Ça a commencé en 2018. Le 8 octobre. Tout le monde prend la main, il met comme ça, il regarde. L'affaire, si, il faut que je m'asseye bien. Chacun s'assoit, il pousse les fesses sur la chaise. Il dit que ça part de quel côté? Les amis, c'est de ça qu'il est question. Hein. C'est de ça qu'il est question. Tout le monde se pose la question de savoir, mais l'affaire, si même ça a commencé où? On va les gagner. Parce qu'il y a une règle d'or dans ce combat. Ne pas se compromettre. Il y a une seule chose pour se compromettre. L'argent. C'est ça. Dès que tu as pris ça, c'est fini. Tu t'es phagocyté seul.
je connais cette règle d'or. C'est une règle d'or. C'est pour ça que je parle ici. C'est pour ça que je parle ici. Ils sont là assis chez eux. Ils prennent les mains. Ils disent, voici leurs paroles. L'enfant s'y sort d'eau. Je vous le dis toujours, tous les jours. Je n'ai pas d'antécédent politique au Cameroun. Jamais vu, jamais connu. Il sort comme un champion. On va dans les renseignements, on dit que non, on ne le connaît pas. C'est qui? On ne le connaît pas. Toi, tu ne le connais pas? Non. Oh. Tu ne le connais pas? Non. Oh. Il sort d'où? Ça devient l'énigme. Quand c'est l'énigme, tout le monde se pousse, on dit que mais ça c'est même quoi ça? Il faut savoir lire. Il faut savoir lire ce que vous avez devant vous. Il faut savoir lire. Le peuple est quand sera libéré. Vous allez voir. Il y a quelqu'un parmi nous ici. Il dit, il s'appelle Michel Mvondo. Il écrit ceci. À lui, je vais répondre à Michel Mvondo. Il dit, il répond à son ami. Son ami, c'est Zouzou, il dit, ça c'est encore quel oisif ça. Surtout qu'au Canada, les allocations sont versées, wa. Je vais te répondre. Michel, tu as un faux profil. Je vais te répondre. Pour venir au Canada, c'est un privilège. C'est écrit hein, dans leurs documents. c'est pas moi qui dis. Ils te disent eux-mêmes que pour venir chez nous, c'est un privilège. C'est eux qui disent. C'est pas moi. Ça, c'est un. De deux, on ne vit pas d'allocation au Canada n'importe comment. Même les allocations, il y a les règles. Même les allocations, il y a les règles. Mon frère, le peuple est quand sera libéré, ça t'énerve. Comme ça t'énerve là, je ne sais pas ce que tu vas faire. Ne te gêne pas. J'ai changé mon numéro. Je finis le direct, je t'envoie. Je sais que c'est pour ça que tu es là. Voyez-vous comment les gens s'organisent? Ne perdez pas ça de vue, mes chers amis. Je parle ça tous les jours. Nous ne parlons pas ça pour rien. Quand tu parles de ça, tu détestes personne. Ce sont les faits que tu poses sur la table. Parce qu'on a mis dans votre cerveau de ne jamais parler des faits. On vous a mis dans la tête de parler. Paul Biya a 36 ans au pouvoir, a 38 ans, a 40 ans au pouvoir. Il n'y a pas les routes, il n'y a pas les hôpitaux. Vous laissez les vrais sujets de côté.
Je dis les vrais. Vous laissez de côté les sujets qui vous maintiennent dans l'esclavage et la pauvreté. Aujourd'hui, ces sujets sont sur la table au-dessus. Ça gêne. Ça gêne énormément. Matignon, tu as vu, si tu n'avais pas fait ce que tu avais fait là, ce que tu as fait là, la vidéo allait être clamsée. Tu as vu comment la toile tissée marche, non? On avait prévu ça. Hein? Si tu ne faisais pas ça, le Dieu dit, allez, cramez. Mais ils sont légers. Ils ne savent pas comme Matignon. Ils sont vains. Je fais une télécharge. Je fais une télécharge. Je fais une télécharge. Les amis, on va gagner. Vous allez voir. Je vous dis, ça gêne énormément. Quand vous parlez de l'économie au Cameroun, ça gêne. C'est un sujet qui gêne. Parce que les faits sont parlants. C'est de ça qu'il est question, les amis. On a voulu vous refaire le coup qu'on a fait en 1957. On a fait ça en 1990. On a voulu donc le refaire en 2008. Ça a voté, on a repoussé ça qu'on va le faire en 2018. Mes chers amis, on dit souvent, quand tu réfléchis, derrière toi, d'autres personnes réfléchissent. C'est la vérité que je vous dis. C'est pour ça que vous voyez les gens sont vraiment de Dieu. Je vous dis, ça bouge partout. Parce qu'on met les vrais sujets qu'on vous a empêchés pendant 57 ans de voir et de comprendre. Les établissements privés au Cameroun, il y a combien d'enquêtes, des écans qui ont des établissements entre Douala et Yaoundé? Je ne parle pas dans les autres régions. Hein. Je prends les quatre régions. Douala, centre, sud, l'est, littoral. Combien des écans ont les établissements privés? Ça n'existe pas. Nada. On vous a mis de côté. Posez-vous la question. L'ambassadeur français, il est arrivé, il n'a pas encore 8 mois au Cameroun. Il est déjà allé à l'Ouest Cameroun 2 fois. L'ambassadeur américain, il est déjà allé à l'Ouest Cameroun 3 fois. Ce sont les sujets qui gênent. Quand je parle de ça, on dit que merde. Ils ont fait comment pour comprendre? Hé, hey, papa, vous n'allez pas nous faire la même chose. On a fait ça à nos parents. 1957. On est parti voir on est parti voir Monsieur Ramadier. Tu me donnes quoi? Je renverse Mbida.
Tu veux quoi? Je te donne. Tu veux quoi? Je veux une part de l'économie. Comment tu vas faire? Non, je veux convaincre les députés chez Mbida. Ils viennent voir les députés de Mbida. Toi, tu seras ministre. Toi, tu seras ministre. Toi, tu seras ministre. Saint. Au moment où lui, il a pris l'économie chez le blanc, chez le Kang, il vient dans le poste de ministre qu'on va enlever demain. Quand je parle de ça, ça gêne. C'est de ça. Maintenant, les parents là, les parents qu'on avait nommé ministre alors là, pour embrasser Mbida, les enfants sont où? Les enfants sont où? Les enfants sont où? C'est le Cameroun qu'on vous cache. On vous entretient dans la politique. Paul Biya, gâte le Cameroun. Paul Biya, gâte le Cameroun. Les vrais sujets, on met de côté. On s'arrange à ce que vous ne voyez pas. On vous pompe les séries télévisées tous les jours. Tous les jours, 18h, 19h, on fait la rediffusion à 12h. On vous pompe les séries télévisées. On vous amène les séries télévisées. On pompe, pompe, pompe. Vous devenez bête de télévisée. Vous réfléchissez à série télévisée. On a compris le système. Depuis que l'ambassadeur français, il est là à Yaoundé, il est allé en van rencontrer le chef, la fille de Atakana. Non. Il est allé en Angara rencontrer le chef. Non. Il est allé à Douala rencontrer le Ngondo. Non. Il est allé à Bédo rencontrer le chef. Non. Nous, on a compris ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut mesurer le cas du Canada là. Il est en train de renverser la table. C'est de ça qu'il est question, les amis. C'est de ça qu'il est question. Il faut venir vous... Alors, pour vous rendre fou, on part au nord-ouest, on crée la guerre. Les amis, c'est toujours pour vous occuper. Les médias sont tous les jours. Oh, la guerre, on ose, la guerre, on ose, la guerre, on ose, la guerre, on ose. Papa, nous, on est concentrés. Quand le JICAM sort, quand Tawamba sort, on dit qu'il veut dire quoi? On sait son rôle, c'est une caisse de résonance. On connaît. Au moment où on est en train de crier, wo, 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 wo. Papa, on est derrière eux. On connaît. On appelle ça le grand complot contre le peuple étant. Mais parce qu'ils savent que le peuple étant a toujours trahi le peuple étant. C'est pour ça que quand je fais un direct ici, je vous dis, ils n'ont qu'une seule chose, s'asseoir, mettre les mains ici, qu'ils viennent d'où, ce qu'il a envoyé.
les amis. Vous ne comprenez pas les enjeux. Je peux vous citer comme ça jusqu'à le lendemain matin, nous trouve ici. Ce que je vous dis là, c'est dans l'ADN. C'est dans l'ADN. Du peuple étant. A toujours trahi les siens. C'est dans l'ADN de l'administration. Si je veux faire carrière, je dois détester les miens. Je suis en train de vous parler du Cameroun. Ces petits gens ne vous parlent pas du Cameroun. Ils viennent vous manipuler. Ils vous manipulent. Ils vous manipulent. Ils vous manipulent, ils vous manipulent. Je vous dis, ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils attendent le direct du Canada, l'enfant live en goti quoi. Je ne change pas de sujet. C'est l'économie, mes frères. Quand on va bâtir pour nous, c'est ça qui fait peur aux gens. C'est ça qui fait peur. On dit si les gens là, les écans là, ils font ce que l'enfant l'a dit, on est fini. Mes amis, vous faites la politique. Quelle politique vous faites? Vous faites la politique vente affamée. Moi, je ne fais pas la politique vente affamée. Je vous dis, les gens ne dorment pas. Ça chauffe le matin, ils se lèvent, les cheveux sont droits comme ça. Ils disent que, mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'enfant qui est au Canada là? C'est la vérité. Combien de camps ont les hôtels au centre, au sud, à l'est, au littoral? Combien? Combien de camps? On vient vous dire, ouais, la politique. Les amis, il n'y a pas la politique sans l'économie. Je vais répéter ça 1000 ans, tant que je vais vivre. Les écams n'existent pas. Ils doivent, c'est une obligation pour eux d'exister. On vous trompe, je dis bien, on vous trompe. On vous trompe. Je ne vais plus envoyer quelqu'un. Il faut aller pisser. Je porte mes deux pieds, je pars pisser. Il faut aller à Yaoundé, je prends le congé ici, je pars à Yaoundé. Parce qu'il faut mener le combat jusqu'au bout. Ça ne sert plus à rien d'envoyer les gens. Ça ne sert à rien d'envoyer les gens. Parce que
qui n'ont pas d'idéologie, qui ne savent pas où on a été. C'est à rien. Il faut monter, je monte. Il faut descendre, je descends. C'est la seule solution. Ils vont venir vous dire, ils ont les diplômes. Oh, les écans, ils ont vraiment fait l'école. Oh, le gars là, il est professeur. Oh, le gars là, il est docteur. Oh, le gars là. Chez les écans, il y a les docteurs et les professeurs au centimètre carré. Chaque un centimètre chez les écans, tu as un docteur. Tu as un professeur. Tu as un docteur. Tu as un professeur. Quand tu regardes l'économie, qu'est-ce qui gouverne la mondialisation? C'est l'économie. La mondialisation est basée sur l'économie. L'injection des États-nations par des multinationales. Mes amis, ça va arriver. Et quand ça va arriver, nous les écans, on ne sera pas là. On va nous chasser. C'est pour ça que quand je parle, je sais que ça va arriver. Vous savez, comme d'habitude, il y a parfois les gens, quand tu montes la lune, ils regardent ton doigt. Ils disent, ah, qu'est-ce que celui-ci raconte même? Tout ce qu'il dit, là, ça arrive. Hein? Tout ce qu'il veut chanter ici, ça arrive. Ça va arriver. Mais il ne faut pas commencer n'importe où. Parce qu'il y a les domaines stratégiques où il faut commencer. On ne doit pas commencer n'importe où. Il y a combien d'enfants et quand aux États-Unis? Il y a combien d'enfants et quand au Canada? Il y a combien d'enfants et quand en France? Il y a combien d'enfants et quand en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suisse? En Russie. Ils ne savent pas que c'est eux les plus nombreux. Ils ne le savent pas. Mais c'est parce que comme ils sont disséminés un peu partout, ils pensent qu'ils ne sont pas nombreux. Les amis, c'est vous les plus nombreux. Si ils sont... Écoutez-moi, les amis. On vous trompe. On a commencé à vous tromper depuis 1957. Et on continue à vous tromper. Ils vous ont amené ce qu'ils ont appelé démocratie. Démocratie, 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 c'est la chimère. C'est un concept vide. Il n'y a rien dedans. C'est la vérité. Si tu n'as pas compris que la démocratie est l'organisation de la société pour maintenir les pauvres pauvres et les riches enrichissent encore plus. En d'autres termes, la gouvernance par l'élite. Quand les banquiers font faillite en 2008, on se retourne, on prend l'argent des pauvres, on leur donne. L'État prend l'argent des pauvres, il donne aux banquiers. L'État n'a plus l'argent pour assurer ses missions régaliennes. L'État vient encore voir les banquiers. Les banquiers disent que non, on te donne ça avec intérêt. Mais quand le banquier lui fait faillite, on lui donne gratuit. C'est dans ça que nous sommes, les amis. Quand vous dormez souvent, il faut méditer.
Organisation, c'est très important. C'est parce que les états pensent que se réunir, c'est le Satan. Dès que trois états se réunissent, c'est la guerre. Deux états se réunissent, c'est la guerre. Cinq états se réunissent, c'est la guerre. Mais ils ne se posent pas la question de savoir, mais pourquoi quand nous on se, pourquoi quand nous on se réunit, pourquoi la guerre? Vous savez pourquoi? Parce que quand trois états se sont réunis, derrière ces trois états, vous avez deux personnes alignées qui vont passer le temps à te dire, ton frère là ne t'aime pas, hein? Ton frère là ne t'aime pas, hein? Ah, il veut prendre ta place. Ah, vraiment de Dieu, on veut me chasser, on veut me chasser du forum. Oh, vraiment de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Résultat de course, la méfiance s'installe. Quand tu lui poses la question, ton frère là t'a fait quoi? Moi, il ne m'a même rien fait. Hein? Même on venait se rendre compte. Mais en fait, on se bagarrait même pourquoi là? Mais il n'y avait rien. Il bagarrait. Il n'y avait rien. J'ai dit, allez dans les pays et camps. Regardez la misère. J'ai dit, faites le tour dans les pays et camps. Papa, il n'y a pas un coin au Cameroun que je ne suis pas allé. Allez là-bas voir. La misère. La misère est partout. Mais ils ont les docteurs et les professeurs au centimètre carré. Et ils continuent de pomper les docteurs et les professeurs au centimètre carré sans se poser la question. Ça là, ça nous amène où? Moi, je suis là pour vous le dire. C'est pour ça qu'on a dit à mon grand frère, fais quelque chose. On est parti voir mon grand frère. La même tactique qu'on a utilisée contre Sam Severin Ango. Il est un écanon, Sam Severin Ango. C'est un écanon. Il a dit non. Viens. Viens avec nous. On t'aime beaucoup. Viens avec nous. On t'aime beaucoup. Oh, oh, oh. Au même moment, on part dire à sa femme. Il a une petite pigeon là-bas. Là-bas, il passe voir un pigeon. On arrête la main de sa femme. Quand on a vu qu'il veut la déranger, on a dit qu'il faut qu'on le chasse même vite. Quand on a vu qu'il veut la déranger, on arrête la main de sa femme. Dit que il est là-bas dedans. Résultat de couche. Lui et sa femme, qui était son soutien. Le feu. Il n'a que ses deux yeux pour pleurer. Wow, 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 wow. C'est parce qu'il n'a pas compris la géopolitique camerounaise. Dès que vous voyez, je vous dis que dès que vous voyez deux écans réunis, je suis en train de vous dire ce qui se passe. C'est ce qui est arrivé à mon frère Ango. Il n'a rien compris. Il n'a que vu du feu. Parce qu'il ne connaît pas le Cameroun. Il ne connaît pas. Voilà. Quand j'étais à Douala, quand il m'a serré quelque part,
Les gens quittaient. Le Bafiala est encore venu. Quand Bafiala, il quitte. Le Bafiala, il est encore venu. Les gens peuvent quitter. Sam Severa Ango, il n'a rien compris. Il te dit, Yoga n'a rien compris. Il dit qu'on a arrêté sa femme par la main. Couchou, là-bas. Les amis, c'est ça. Prenez, donnez-moi, écrivez-moi, choisissez un secteur économique au Cameroun. Choisissez, écrivez un secteur économique qui vous vient à la tête. Choisissez, écrivez un secteur économique qui vous vient à la tête. Écrivez un secteur qui vient à la tête économique. Écrivez. Quand mon ami m'expliquait le femme là, il me dit, Abdel, ce que je suis en train de te dire là, si on me trouve en train de te dire ça, on va me tuer. Il dit, on va me tuer. On dit, tu as vendu le secret. Sauf que quoi? Retenez une station, je vais vous dire ceci. Si tu as un écran, que tu te lances en politique, première des règles, un écam qui se lance en politique doit respecter le vin, il ne boit pas. Il ne mange pas n'importe où. Les femmes, ils freinent de ces quatre, ils freinent. Si un écam veut se lancer en politique, je vous dis la vérité. Parce que comme il est de nature à Kéam, c'est comme ça qu'il est parti avec aussi la même naïveté en politique. Il est allé avec la même naïveté en politique. Il s'assoit n'importe où, il mange. Il trouve le vent n'importe où, il boit. Papa, moi, depuis que je suis dans cette histoire, quand je suis assis avec les amis, quand j'étais à Douala, je veux me lever pour aller faire pipi, qu'on est là. J'ai mon jus à côté de moi là. Je me lève, je prends mon jus. Je pars pisser. Je reviens. J'arrête ta main. Je bois. Il faut respecter les règles qu'on se donne. C'est de ça qu'il est question, les amis. Si tu ne connais pas ça, tu viens en politique. Tu penses que tu es dans un monde de bisounours. Détrompe-toi.
comme vous êtes là, vous qui êtes là, je vous parle de vous qui êtes là, vous êtes dans un combat, retenez-le. Vous ne devez plus manger n'importe comment. C'est la vérité que je vous dis. Pourquoi vous prenez, pourquoi vous comprenez un exemple? La basse entre eux, ils ont fini avec une matière très rapide. Vous comprenez que entre eux, il y avait quelqu'un qui calculait la dame. Il rêve un bout de coup dans Damien son fondos. On a appliqué. La dame a fendu. Alors que, à la veille, elle disait, Paul Biya, dictateur, tu vas partir, tu es déjà vieux, tu vas mourir. Paul Biya, dictateur, tu vas partir, tu es vieux, tu vas mourir. Paul Biya, dictateur, tu vas partir. Le lendemain, c'est elle qui est morte. Le terrain, il faut comprendre ce qu'on appelle le terrain politique, les amis. Donc, si les écans continuent de dormir en pensant que Jésus descendra pour venir leur partager la nourriture. Anna, il ne descendra pas. Les écans sont eux-mêmes la solution de leur malheur. Centre C, littoral L, Est E, clé. Sud. Ils sont eux-mêmes la solution de leurs problèmes. Mais ils refusent. Ils attendent l'âme qui viendra leur dire que ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. C'est comme ça. Les amis, vous avez la clé pour résoudre vos problèmes. Dormez dans les congrégations. Je vais voir comment vous allez résoudre vos problèmes. Ne confondez pas réussir sa vie et réussir dans l'ensemble. Si tu réussis ta vie dans ton coin là, tu crois que tu as réussi? À chaque fois que tu dors, tu as un petit remords. Quand tu te lèves le matin, tu penses à ton cousin quand tu étais petit, que tu aimais souvent bien. Tu penses qu'il est pauvre, il n'a pas mangé. Le petit chagrin te revient. Toutes ces journées-là, tu es mal à la maison. Ton mari te dit, ben, pourquoi tu es mal? Tu as pensé encore à ton cousin que tu aimais bien. Tu penses. Comme quoi, tu ne peux pas cracher toute la salive de la bouche. Les amis, si je ne vous dis ça, je ne vous dis pas ça, qui va vous dire ça? Viens-nous vous voir pourquoi vous me votez. Moi, je veux me lancer dans les élections en 2020, en 2025. Parce que nous allons bâtir
l'économie qui va soutenir notre politique. C'est l'économie que nous allons bâtir, nos biens à nous. C'est ça qui va nous soutenir. C'est comme ça que ça marche. C'est pas l'inverse. Si on te fait croire que c'est l'inverse, on t'a menti. C'est comme commencer à construire la maison par la toiture. Ça n'existe pas. T'as pas compris. Et il est parti commencer à faire des petits business en Côte d'Ivoire. Mais comment là-bas, il faut qu'il rentre au Cameroun. Sinon, il ne va rien faire. Écoutez-moi. Il ne va rien faire puisqu'il n'a pas d'outils économiques pour le soutenir. Il va échouer. Quand il va échouer, les Bassa vont le chasser. Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas bâti l'économie qui allait soutenir la politique. C'est ça qui est la question. Vous, déjà, vous voyez les gens crier politique, politique, politique. Vous avez quoi? Rien. Vous n'avez rien. Rien du tout. Du pas à Eboleva. C'est mes beaux frères qui sont partout. Et les bas cliniques, et les bas pharmacies, et les bas. Tout! C'est mes beaux frères. Tu vas à Saint-Monima. Même chose. Tu vas à Bétois, même chose, Yaoundé alors, c'est versé, waouh. Il est temps de nous poser les bonnes questions, les amis. Si vous dites simplement que seulement que vous avez 2000 écans dans toute la diaspora, 2000 écans, et que vous vous organisez à dire que vous ouvrez, on ouvre un compte chez Amoukoubelinga. Chacun met 500 euros là-bas, tous les mois, à 2000, ça fait 100 000 euros. Si 2 000 personnes déposent 500 euros, ça fait 100 000 euros. Ça fait 1 million d'euros. On appelle ça l'organisation. Vous n'avez pas souffert. À ce moment-là, vous avez compris ce qu'on appelle la politique. Avec ça, on choisit les secteurs stratégiques. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Hein. Beaucoup. Mais on n'est pas organisé, la sorcellerie. Et vous? Wawonza, toi tu es qui? Tu sors d'où? Ton père était quoi? C'est sucré quand il te dit ça en Néonde, ou bien en Bafia, ou bien en Yambassa, ou bien en Mangisa. Pourquoi on gave? En gave? Mais, pourquoi en gave? Tata en Bafia?
Tata et maman. Et juste quand il est comme ça, il va me dire qu'il ne peut pas le dire. Un jour, je suis à Douala. J'ai un ami, un gars Ikam. Alors, il voit, je monte avec l'UIT, je descends avec l'UIT, je suis à l'école. Il m'appelle, il me dit, je dis, tu passes m'en verser l'argent à l'UIT parce que tu veux dépenser. Je lui dis que non. Si tu as les projets, tu te poses des questions. Si je veux faire tel projet, qu'est-ce qu'il me faut? Je me suis posé la question, j'ai un tel projet. Et pour ce faire, il me faut avoir au moins Bac plus 2. Il dit vraiment de dire, toi là, tu déranges. Il dit qu'il va baisser l'argent. Il ne sait pas qu'à chaque problème, il y a une solution. C'est ça qui est la question, les amis. Si vous avez compris ça, c'est facile. Mais sauf que, comme on connaît comment ça marche chez nous, parfois, vous avez vu, non, on avait le grand frère ici. Ça a capoté. C'est pour ça que, maintenant, on se réunit entre nous, on bâtit pour nous. Parce que tu fais comme ça, un grand frère, ça va pas devenir ce qui s'est passé. Il faut qu'on mette fin à ça. Il faut qu'on s'organise, les amis. Pour ce, je vous remercie beaucoup. Je dis aux talibans. Je suis là. Vous m'avez tué en journée à 18h. Je me suis levé. Donc, on peut toujours continuer le combat. On peut toujours continuer le combat. Comme ça, les gars. Moi, je suis là pour dire à mes frères et quand la vérité. Je ne suis pas là pour vous, pour nous, pour qu'on se divise. Se diviser, c'est ça qui nous a tués. On a été phagocytés. Ça, les amis. Donc, à bon entendeur, salut. Il ne faut pas qu'on dise que Abdel n'a pas dit ça. Il n'y a pas un sujet que je ne veux pas vous dire ici. Bouyaka, Bokagami aussi. Matdok a fait le son. Samedi soir dans ma ville, yeah. On sait déjà que c'est le feu. Y'en a qui fument des blancs, y'en a qui fument la taille, y'en a qui fument la veuve. Y'en a qui tiennent la bande de deux. Certains pour faire marcher un trio, et d'autres sont tous liés. Si tu es un bout de mal, on t'applique. Si tu dois l'esprit, on t'appelle Babylone. Petit chef de jure, ce n'est pas les lords. Le respect est mort depuis longtemps. Et tu me parles fort quand c'était avant. Dans ma vie, on a grandi avant le temps. Les plus petits sont devenus très violents. Et c'est comme ça, et c'est comme ça. Yeah. Toujours entouré par ma famille. On reste posé même dans le Paris. Mafia City, c'est ma ville. Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas sans pas. Quand on veut un truc, on le fait pour la vie.
madame et négro, ils te le diront. Toujours entouré par la famille, on reste posé même en famille. Mafia City, c'est ma ville, Mafia City. Dans ma ville, on ne fait pas semblant. C'est le feu, yeah. Y'en a qui fume des clopes, y'en a qui fume la taille, y'en a qui fume la beuh, y'en a qui tonne en bande de deuil, yeah. Certains peuvent faire marcher un trio, et d'autres ils sont douces, yeah. Si tu es Moodman, on t'appuie. Si tu donnes l'esprit, on t'appelle Babylone. Allez, crée ma queue. Bouyaka, Bokaka Music, Mad Dog a fait le sang. Passez une bonne nuit et bon boulot. Bonsoir à tout le monde.